À l'occasion de cette rencontre, le président Bédier nous envoie vous dire merci parce que grâce à vous, notre fils a été élu député de la commune de Yopougon. Votre engagement et la vision du PDCI et du président Bédier, c'est de faire de Yopougon une zone de paix, de fraternité, indiscriminée. Le président Bédier et le PDCI ont porté leur choix sur Diaoufouette Augustine pour cette noble mission de reconquête de la commune de Yopougon. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le président Bédier vous demande d'autoriser votre fils à accomplir cette mission et la remplir. Ainsi, les élections municipales à Yopougon s'annoncent-elles comme une bataille intense. Adama Bictogo a été choisi pour représenter le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix dans cette course à la conquête de la mairie de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. En tant que député d'Agboville, il est considéré comme une figure majeure et influente dans cette compétition politique. Sa participation ajoute une dimension importante à l'enjeu de ces élections municipales à Yopougon. Mali, Assimi Goïta demande l'intervention de Ouattara pour lever les réticences de la BCEAO. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui dirige la junte malienne, a récemment fait une demande spécifique au président ivoirien Alassane Ouattara. Goïta a exprimé son souhait que Ouattara s'implique personnellement pour obtenir la levée de certaines réserves de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dit BCEAO d'après Africa Intelligence. La demande a été présentée lors de la visite d'Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministère ivoirien des Affaires étrangères, à Bamako le 24 mars 2023. Au cours de cette visite, Kouyaté a été reçu par Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, et un procès-verbal a été rédigé pour enregistrer les discussions. Africa Intelligence a consulté un document dans lequel Bamako exprime ses préoccupations quant à ce qu'il perçoit comme un traitement discriminatoire de la part de la BCEAO et de la Banque Ouest-Africaine de Développement, dit BOAD. Le document mentionne également que la BOAD est dirigée par Serge Ekué, originaire du Bénin. Bamako estime que l'attitude jugée injustifiée de la BCEAO contribue au ralentissement de l'économie malienne, déjà durement affectée par l'embargo imposé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit CDAO, entre janvier et juillet 2022. Parmi les problèmes soulevés par Bamako figure la non-activation par la BCEAO du Fonds de stabilité financière de l'UEMOA, conçu pour prévenir les défauts de paiement d'un État en difficulté temporaire. En raison de l'embargo imposé par la CDAO, le Mali a fait face à d'importants défauts de paiement, ce qui a entraîné une dette de plus de 200 milliards de francs CFA, environ 300 millions d'euros, au moment de la levée des sanctions en juillet 2022. Assimi Goïta accuse donc la BCEAO de ne pas avoir suffisamment financé l'économie malienne en appliquant une « politique discriminatoire en matière de refinancement », à la fois avant et après la levée des sanctions. Le manque de liquidité causé par l'embargo a eu un impact considérable sur l'industrie du coton et le secteur agricole, et les autorités maliennes espéraient que la BCEAO injecterait davantage de fonds dans le pays pour soutenir les efforts de relance. Selon Bamako, les provisions accordées par la BCEAO pendant la crise étaient largement insuffisantes par rapport aux besoins des banques établies au Mali. Le siège de la présidence malienne, Koulouba, dénonce également des pertes hebdomadaires de 100 milliards de francs CFA pour les banques. Selon Africa Intelligence, Bamako critique également l'inaction de la BOAD, à laquelle les autorités maliennes s'attendaient à ce qu'elle fournisse un soutien économique et financier, notamment par le biais de prêts concessionnels, afin de stimuler la relance économique du pays. Abidjan, soucieux de maintenir de bonnes relations avec son voisin malien, s'est engagé à prendre en charge ce dossier.